T'es qui ? Ben Ammar. Allez, suivez-moi. Où sont les cartes d'identité ? Je les ai, mon capitaine. Ben donne-les-moi, t'en as pas besoin ici. Ben Ammar Saïd, né à Lamartine. C'est en Oranie, ça ? Oui, mon capitaine. Harki, au 10e Rama. 3 fois médaillé, 2 fois cité. Blessé au combat dans l'Ouarsenie en 1961. Invalide, le bras gauche. Vas-y, lève le bras. Mais pas celui-là, Bourricot, l'autre. Mais lève plus haut ! Pourquoi ils t'ont pas envoyé à Bias ? Ça m'empêche pas de travailler, mon capitaine. Hmm. Rapatrié d'Algérie le 30 juin 1962. 6 camps depuis l'arrivée en France, le dernier dans le Morvan. Bah, t'as vu plus de pays que moi, dis donc. Soldat docile, solide à la tâche, pas porté sur l'alcool. Marié à Aïcha Ben Ammar. Épouse propre, enceinte. 3 enfants. Leïla, c'est qui Leïla ? Kader et Sarah. Je m'appelle François Robert et je suis votre chef de camp. Repos. À Darlas. Faut oublier le bled maintenant. Vous avez été fidèle à la France. La France vous tend la main, c'est normal. Moi, mon boulot, c'est de faire de vous des gens honnêtes, travailleurs et propres. Des Français civilisés, des Français à part entière. Je suis là pour ça, pour vous éduquer. Ce qu'il faut manger, comment il faut s'habiller, le respect de l'autorité et des valeurs de la République. Parlons. J'ai rien dit. Je vous demande une seule chose, l'obéissance aveugle et sincère. Si vous me la donnez, je vous offre une nouvelle vie. C'est bien compris ? Oui, mon capitaine. Youssef, tu prends les clés, tu leur montres le baraquement. Je te rappelle le règlement. Salut au drapeau français tous les dimanches matins. Courrier distribué à la criée. Interdiction d'installer des antennes de télé sur les toits. Douche collective, 1 fois par semaine. Dimanche pour les hommes, jeudi pour les femmes et les enfants. Votre baraquement est là. N'oubliez pas, le plus important, tout ce que fait le chef de camp, c'est bon pour l'Erki. Regardez, papa, il l'a enlevé. Ça y est, ma puce, ça y est. Avant, il y a très longtemps, ce camp n'était pas un camp, mais un royaume. Les baraques n'étaient pas des baraques, mais des palais merveilleux. Dans un des palais, il y avait Baba et Yemma. Baba portait un magnifique turban et Yemma un beau caftan brodé. C'est quoi un caftan brodé ? Tu te souviens de la robe que maman portait au mariage de Tata Nassima ? Bien, c'est celle-ci. Mais un jour, un sorcier jaloux nous a lancé l'œil. Le mauvais œil. Et depuis ce moment-là, Baba, Yemma et tous les Harki habitons dans ces camps. Mais si vous êtes sages, un djinn nous libère. Et vous redeviendrez un prince. Et une princesse. Et vous aurez des montagnes de gâteaux au miel. Et des litres de gazous. Partout, 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 il y en aura partout. Arranger les meubles, Kader.
tables et Sarah prend les chaises. On la met où ? Que je t'aide, papa ? Ça va. Leïla, va voir l'économa s'ils ont du lait. Leïla ? Tu ne me reconnais pas ? Leïla ? Non ? Non. Gouche là, ya gouche là, gouche le bébé, li, j'ai salé bille. T'es devenue une femme. 10 ans, hein ? Ça fait 10 ans déjà. Je me souviens quand ils nous ont séparés au camp de Rivesaltes. Hé, hey, tu pleurais comme un bébé. T'accrochais à moi comme un chardon. Bon, allez, viens, on va voir papa. Baba ! Baba ! Regarde qui y a. Ahmed. Oh, y'a. Là, c'est qui ? C'est tonton Ahmed. Pourquoi il est ici ? C'est le frère de papa, ma chérie. Tu tombes bien, toi, bien m'aider. Allez. Ben reste pas derrière la porte, entre. Là, passe-moi une ficelle. Là. Allez, allez. Va me chercher la boîte, là. Merci. Tiens, aide-moi à me lever. Qu'est-ce que tu veux ? Ma mère m'envoie chercher des œufs. Ah. Tu viens du camp ? T'es une petite harkie ? Je suis algérienne. Ah. Harkie algérienne ? Ah, pas chipoter, hein ? Je connais les gens du camp. Les Arabes bien comme il faut. Ils font jamais de bruit. Les braves gens. Brave, c'est pour les bêtes, pas pour les gens. T'aimes bien chipoter, toi, hein ? T'en faut combien ? Si, s'il vous plaît. Au début, c'est sûr. J'ai eu un peu peur quand la mairie a installé le camp près de la ferme. Tous ces turbans, c'est déjà là-bas, dans ma campagne. C'est la première fois que j'en voyais. Et puis, les messieurs sont venus acheter des moutons. Un bon prix. Moi, quand on me prend par les sentiments... Et combien je vous dois ? C'est bon pour cette fois. Je peux payer, je suis pas une mendiante. Tu m'as aidé à soigner le mouton. Et chez moi, tout travail mérite salaire. Merci, madame. Ça te va ? Oui. Vous êtes là depuis longtemps ? Une semaine. Ça te plaît ? Non, pas vraiment. Ouais, ça se comprend. Tiens, là, mon petit-fils. Tu vas au lycée Jules Ferry ? Oui. Et lui aussi, justement, je vais te le présenter. Jérôme, arrive donc ! Voilà une petite voisine qui va au même lycée que toi.
Je te présente Jérôme. Et toi? Leïla. Salut. Salut. Hey. Tiens, de la part de ma grand-mère. Non, merci. Mais si, c'est pour la famille. Non, vraiment, c'est gentil, mais non. Elle va être déçue. Ça t'embête si je marche un peu avec toi? Non. Tu m'en passes une? Tiens. Merci. Je t'ai jamais vu au bahut. On est arrivé il y a qu'une semaine. T'habites au camp? N'importe quoi. Je suis espagnole, je viens d'Andalousie. Si toi t'es espagnole, moi je suis américain. Et t'insinues quoi par là? J'insinue rien. Ma grand-mère m'a dit que t'habitais au camp. Ah ben, je voulais pas que tu me regardes avec pitié. Comme si j'avais une maladie grave. C'est tout le temps comme ça. Et alors, quand t'es espagnol, t'écoutes quoi comme musique? Flamenco? Non, sérieux. Les Zep, les Stones, t'aimes bien? Bon, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs? C'est qui les meilleurs? Mike Brandt. Tu rigoles, là. Mike Brandt? Quoi? Mais il est nul, Mike Brandt! Il est nul! Mais certainement moins nul que tes Stones. Tu veux pas du jus de pomme? Merci. On se voit pas eu, hein? Saïd, moi j'ai compris beaucoup de choses. C'est pas un village ici. C'est comme la prison. Quel crime on a commis? Moi j'ai fait 2 guerres pour la France, qu'est-ce que j'ai gagné? De vivre ici, caché dans une forêt comme si j'étais un chacal? Partout ailleurs, les salaires sont bons, les patrons parlent mieux qu'ici. Même les immigrés, ils sont mieux traités que toi. C'est vrai. Et les pieds noirs, ils ont touché des aides pour s'installer en France. Ils sont libres, ils peuvent aller où ils veulent. Je te comprends pas, Ahmed. T'es jamais content. Ah, vous avez un toit, un travail, de quoi manger. Sans la France, on serait pas là en train de discuter autour d'un couscous. On serait allongé sous terre. N'empêche qu'on est ici. Et ici, on mérite autant que les autres. On mérite d'être libre, d'être respecté et de vivre normalement. On est vivant, Ahmed. Vivant. Et nos enfants sont avec nous. C'est en train de vous déranger. Si, au moins. Avec ces grandes dents. Pourquoi tu... Ma? Qu'est-ce qu'il y a, Fatima? Qu'est-ce qu'il y a? Ma? Quelle est une gendarmerie en barra? Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? J'ai rien fait, papa. Ahmed! Tu viens avec moi. Qu'est-ce que vous voulez, Robert? Robert! Bon Dieu, tu viens avec moi, je te dis.
Baba. Oui, je sais. Pendant l'assemblement, je poserai la question au capitaine. Pour comprendre ce qu'on reproche à Ahmed. Ne vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans la roue. Baba, attends-moi. À mon commandement! Garde à vous! Au drapeau! J'ai des idées, il se passera rien. Allez, viens, il va pas se repasser tout seul le linge. Et Baba a promis. Repos ! La mère patrie vous a généreusement accueilli sur son sol. Elle a maintenant plus que jamais besoin de vous. Soyez digne de ses attentes, elle saura combler vos espérances. Harki, l'honneur de la France existe. Vous le portez, vous l'incarnez, vous l'exprimez par vos actes. Harki, la forêt française a besoin de vous. Demain, vous irez débroussailler près du barrage. Des questions? Oui, mon capitaine. Tais-toi, il va détruire ta famille. Oui, Benhamar. Non, mon capitaine. Rien. Merci. Je suis fier d'être votre chef de camp. Garde à vous! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Il n'a rien dit. Et pourquoi? Il s'en fiche, donc l'Ahmed. Il est pire que le chef de camp. Leïla, ne parle pas comme ça de ton père. Mais t'as vu comment ils nous traitent, les Français? Pourquoi il s'est battu pour eux? Il a toujours fait au mieux pour la famille. Et de toute façon, on est algérien. Baba, il a choisi le mauvais camp. Qu'est-ce que tu connais de l'Algérie? C'était la misère là-bas, pire qu'ici. Tais-toi, tu sais rien. C'est un lâche et un traître. Qu'est-ce que t'as dit? Je ne plus jamais t'entendre dire des horreurs pareilles, t'as compris? C'est pas une fille que j'ai mis au monde, c'est une vipère. Reste pas rien, père. Viens m'aider. Bonjour. T'as l'air de bien le connaître, le chef de camp. Fais confiance, ça se voit. Ouais. J'étais caporal dans Saharka. Il n'y a pas eu un capitaine plus brave et plus honnête que lui dans toute l'Algérie. C'est lui qui m'a arraché des mains des Felaga, maintenant. Tu sais, faut pas manquer de respect à des hommes comme ça. C'est indigne d'Harki. Bien sûr. Et t'es d'où? Des Aurès. Dis que les Chaouis sont très courageux. T'arrêtes de te foutre de ma gueule, ouais. Tu veux quoi exactement? Je veux savoir où Ahmed, ce qu'il a fait, ce qu'on lui reproche. Pourquoi je te dirais tout ça? T'as du flouze?
Bah non. Alors tu rentres chez ta mère avant que je t'en mette une. Attends, j'ai des boucles d'oreilles. Ma grand-mère. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. C'est bon. Eh oh! Je reviens à 4 heures pile, Anna. Vous traînez pas dans la cour, hein? Compris? Compris? Oui! Allez, yallah! Oh! Dernière année qui me suit comme un petit chien, ça je te le dis. Vivement que je me marie. Plus de lycée, plus de Mokhtar. Aurais une robe, des bijoux, le henné. Ma cousine, ce sera le plus beau mariage de tout le camp. Mais t'es folle ou quoi? Mais si ça se trouve, ton mari sera pire que Mokhtar. Pire que Mokhtar, je crois pas, c'est pas possible. Mais le mariage, c'est la prison. Moi, je veux continuer à étudier et quitter le camp si je peux. Quoi? Mais t'es folle? T'es pour aller où? Pourquoi on est entre nous? Ça va? Ah, salut. Salut. Est-ce que t'as du feu, s'il te plaît? Non, c'est Sarah qu'on a. Salut. Est-ce que tu as du feu, s'il te plaît? Ouais. Attends, qu'est-ce que tu fais là? T'as vu à qui tu parles? Pardon? Ouais, je sais très bien qui tu es. Mais je suis qui, moi? T'es une fille d'Arki, une fille de traître. Non, non, laisse tomber. Arrête, arrête. C'est une conne. Et t'as mis les chaussures de ton père? Ah, laisse-la parler, c'est bon. Ça va, t'as pas fait mal? Mais arrête de la regarder, c'est une conne. Pas trop dur, Benamar. Ça va. Patate, navet, carotte, j'ai rien oublié. Oui, c'est ça. Combien je vous dois? On verra ça à la fin du mois. Merci, madame Juliette. Au revoir. Attends, tu viens à peine d'arriver. Non, mais ma mère m'attend. Entre donc, tu tiens pas en place, t'es pas là 2 minutes. Ouais. Non, mais vraiment, faut que j'y aille. Tu fais ce que je te dis, tu viens avec moi. Souvent déménagé. On a fait 6 camps en tout. Ils ont tous fermé les uns après les autres. Et bon, ils sont tous pareils. On a toujours eu faim et froid. Vous comprenez, vous, pourquoi ils nous mettent dans des camps? Ah non, je comprends pas. Et moi non plus. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Merci. Attends. T'as des frères et sœurs? Oui, un petit frère et une petite sœur. Serre-toi. Non, merci, vraiment. Tu fais ce que je te dis, serre-toi. Merci. Bah, tu vas pas me ruiner, toi. Je savais pas qu'il y avait des Français comme vous, madame Juliette.
Ah, mais je suis la seule. Il n'y en a pas d'autres. Je te présente Lucien, mon homme. Bonjour. C'est la petite Leïla dont je t'ai parlé. Bonjour. Au revoir. Au revoir, madame Juliette. Oh non, pas encore de la soupe, y'en a marre. On en mange tous les jours. Pourquoi tu ne veux pas des frites? Nous, on veut des frites. Arrête, Kader, maintenant. Des frites, des frites, des frites. Ça suffit. Si vous mangez tout, je vous donne une surprise. Quoi comme surprise? Tu verras, tu manges. Allez, tu... Non, Kader. Juste à moi. À voix basse. On attend ta sœur. Fini. Ça y est. C'est bon. C'est quoi? Ça fait du bruit en tout cas. Ouais, des sucettes. Tu peux m'ouvrir, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît. Merci. Il y a des sucettes en Algérie, Baba. Baba, il y a des sucettes en Algérie. Bien mieux que des sucettes, mon fils. Dans le village, il y avait des halwa. Des bonbons turcs. Mon père m'en achetait chez l'épicier. Surtout le vendredi. Avant d'aller poser une offrande sur le tombeau d'un saint. Le Walid Sidi Youssef. Tu connais pas? Il y avait des rois et des reines? Non. C'était dur, les vies là-bas. La terre était aride, rien ne poussait. Mais c'était bien. C'était beau. Pendant le ramadan, après le coucher du soleil, tout le monde était dehors le soir. Et on chantait, on dansait. Un jour, c'est promis, mes enfants, je vous emmènerai dans votre village. Promis. C'est loin? Non. On peut y aller en voiture? Inch'Allah. Je suis là devant, je t'attends. Tu m'appelles quand t'as fini. Tu vas où? Je suis là devant. Leïla? Oui. T'es là, hein? Je suis là devant, t'inquiète pas. Tu restes? Bah oui.
retard. Excuse-moi. Tu les as ? Tiens, je te donnerai l'autre quand tu m'auras tout dit pour Ahmed. C'est de l'argent. Si tu me balances, je n'irai tout. On ne s'est jamais parlé. D'accord. Ton oncle, il est à l'hôpital. L'hôpital psychiatrique. Mais il est pas fou. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Le capitaine, il interne qui il veut, l'asile. Là-bas, il y a un bâtiment spécial pour les harkis. Il envoie tous ceux qui le dérangent. Et ton oncle Ahmed, pour ça, il a mis le paquet. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Je sais pas si je peux. Bah, tu sois très gentil avec moi. Rends-moi le bijou. Ça va. Il a écrit une lettre au ministère. Pour que ça change au camp. Et qu'on change de chef aussi. Le ministère, il s'en fout. Mais pas le capitaine, crois-moi. C'est tout ce que je sais. File-moi l'autre boucle d'oreille. On est seul. Y a personne pour nous embêter. C'est ce que tu voulais, non ? Qu'on soit amis. Leïla, j'ai fini ! Je le connais, il va réveiller tout le camp. Leïla ! Leïla, t'es où ? Putain de renaisse. Leïla ! Change un 45 tours de Mike Brandt contre celui des Stones. On se voit chez ma grand-mère, d'accord ? Celui-là. Je sais pas, je m'en fiche, je suis français, oui. Attends, tu t'en fiches avec ton char. C'est le plus beau mec du bahut. Ah bon ? Ah bon ? Non mais franchement, tu le trouves pas trop beau ? C'est bon, arrête ! Allez, il n'est pas trop canon. Merde, viens-moi plus tard. Faut pas nous laisser tranquille, lui. Hé, si à quoi que ce soit, tu me racontes. Il y aura rien. Faut aller, viens. Cependant, Edmond écoutait toujours ce bruit. Ce bruit dura 3 heures à peu près. Leïla, tu es sûr de ces rumeurs sur Ahmed ? Bah oui, papa. Et tout le monde le dit. Mais pourquoi j'ai rien entendu, moi ? Je vais aller voir le chef de camp. T'as bien fait de venir me voir, pauvre Ahmed. À croire que plus personne se souciait de lui. Excusez-moi, madame Chassalon. Vous le signez, vous le faites déposer à la mairie ? D'accord. Merci. Tu sais que je suis le seul à être passé à l'hôpital. 3 fois. À peine croyable, ça. Je le savais pas. Ah, tu savais pas, vous êtes bien tous les mêmes. Mais faut demander, mon vieux, t'as une langue, certain ? C'est comme ça que ça marche en France. On est un pays civilisé. Puis tu parles bien français, toi. Tu veux un café ? Oui. Remarque, je comprends que vous soyez inquiétés, hein. Parce que d'abord, l'hôpital, c'est pas marrant. Et puis, crois-moi, hein, dans le cas d'Ahmed, ça s'imposait. Il était plus le même, hein, depuis un moment. Excité, bavard. Il s'en prenait à ses voisins pour des vieilles histoires de la guerre. J'ai eu des plaintes. Ah oui, j'ai eu des plaintes. Je comprends pas. Tu comprends pas. Assieds-toi, Benhamer. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Le combat, ça laisse des traces. On a fait la même guerre. Les hommes enterrés vivants, la tête enduite de miel, bouffés par les insectes. Toi et moi, on sait ce que c'est. Mais y a pas un harki aujourd'hui qui se sente bien dans sa tête. Et moi, je dois gérer ça au mieux. Écoute, t'inquiète pas pour Ahmed. De toute façon, sa cure se termine bientôt. Il va revenir en pleine forme. Merci, mon capitaine. Mais Benhamar, n'hésite pas à revenir me voir si tu veux des nouvelles. Oui, mon capitaine. Alors ?
Alors, papa? C'est des bêtises, cette histoire de lettres. Heureusement que le capitaine était compréhensif, hein. Madère, tu bouges, mon frère. T'écoutes quand on te parle, toi? Mais j'ai rien fait. Tarif Issal, 956,11 ce mois-ci. Voilà donc ton bulletin de paye. Ensuite, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Voilà. Et 56,10. Il manque un centime, chef. Oui, mais je ne l'ai pas, je te le donnerai le mois prochain. Voilà, tu signes là. Ici. Voilà, merci. Tu m'appelles ton collègue Benamar Saïd? Saïd? Oui. Saïd? Benamar Saïd, 475,54 ce mois-ci. Et pourquoi? Ah, tu verras ça avec le chef de camp. Voilà le bulletin de paye. 100, 200, 300, 400, 470. Voilà. Il nous reste dans l'enveloppe. Voilà. Tu signes, là? Non, non, moi, je signe pas. Oh, mais c'est comme tu veux, hein. Pardon, capitaine, excusez-moi. Pourquoi j'ai que 475, ce mois-ci? On répare une injustice, Benamar. Tu travailles que d'un bras, c'est normal que tu touches qu'un demi-salaire. Je peux comprendre ça. On est encore bien gentil de t'accueillir sur le chantier, là. Allez, file! Combien il nous reste? Attends, j'ai pas fini. Si on enlève les courses et les vêtements, il nous reste 75 francs. Mais on va jamais y arriver. On n'a plus le choix, Emma, faut trouver de l'argent à l'extérieur. Mais comment? Papa, il doit trouver un autre travail. Faut le convaincre. Elle va lui parler, Emma. Maintenant. Il veut rien écouter, il me prend même pas au sérieux. Mais dis-lui que dehors, c'est mieux payé. Allez, Emma. Il a dit quoi? Il dit qu'il va pas aller au village à deux ou de bourricots ou en tapis volant. Mais dis-lui que je connais des Français qui vont nous aider. Non, ça suffit. Allez, Yemma, vas-y. Il dit que c'est tous des racistes et qu'il ira jamais. Mais c'est pas vrai, je les connais. Yemma, vas-y. Oh, merci, hein. Vas-y, toi.
qu'il t'a dit? Rien. Justement, il a rien dit. Emma, c'est des magazines pour filles. Des magazines pour filles, tiens. Voilà, des magazines pour filles. Mais pourquoi tu fais ça, là? Et maintenant, tu fermes ta bouche! Tu vas faire tes devoirs pour l'école. Je veux pas t'entendre respirer. Regarde les autres filles, hein. Elles écoutent leur mère, elles font le ménage. Et toi, tu lis des saletés? Viens m'aider à préparer le repas. Tout de suite! Mais comment tu veux que je t'aide? Y'a rien à manger, y'a rien à préparer! J'en ai marre, moi, cette maison, j'en ai marre! Je suis sûr que vous vous enterrez comme un chef. Et pour commencer, je vais vous donner quelques cajots de pommes. Je vous les payerai. Oh, on verra ça plus tard. De toute façon, ça me rend service. J'ai plus la patience de faire les marchés. Pour le transport, j'ai une vieille mobilette qui devrait faire l'affaire. Allez, à vous. Avec un peu de bricolage, elle va redémarrer comme en 40. Non, je peux pas accepter. On partage les bénéfices. 50-50. Mais pour la mobilette, vous y perdez. C'est comme ça. À prendre ou à laisser. Marché conclu. Extra, 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 venez-moi m'aider, ça se termine. Alors, on a du plus ou moins. Bonjour madame Juliette. Bonjour monsieur Benhamar, je vous ai gardé une place en bas. Ah merci. Bonne chance. Merci. Tu veux une omelette, on t'a fait une omelette. Et tout ça à volonté. Alors moi j'ai fait mes calculs rapidement, tu vois. Je me suis dit comment ils font pour s'en sortir. Ouais. Parce que t'as des 200, 300 personnes qui viennent bouffer tous les jours. Et tu le connais le bico là-bas? Bonjour. Non, je le connais pas. Bonjour. Attends, je dis que c'est à toi qui viens me dire bonjour. Je te dis que je le connais pas. Ben, ça va. Et ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous en vouliez combien déjà? Trois pommes, s'il vous plaît. C'est bien, merci. Je vous dois. 1,50 francs. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là, Benhamar?
Ça marche, les affaires? Ça paye bien, les Français, hein? T'es un malin. J'aurais jamais cru ça de toi. Je vais être fier de toi, le chef de camp. Tu crois pas? Tu permets? C'est 50 centimes. Pardon? La pomme, là, c'est 50 centimes. Fais gaffe. Tiens, tu remets un peu de soupe? Alors quoi? Tu vas faire la gueule toute la soirée? On peut se causer, non? Ah oui. Monsieur a envie de causer maintenant. Ben, ce sera sans moi. C'est tout à l'heure au marché qu'il fallait l'ouvrir, ta bouche. Jérôme. Qu'est-ce que tu fais là? Comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Un bouquin. Un livre sur la plomberie? Non, mais c'est pas à moi. Ça va? Ouais. Avec nous. Excusez-moi. Voilà, madame Anne-Marie. Combien je te dois? 12 francs. 12 francs. Tu allais pouvoir le mettre dans ma poche? Bien sûr. Merci. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, Saïd. Ah.
je voulais te dire, faut pas m'en vouloir pour l'autre jour. T'as le temps de prendre un café? D'accord. Tiens, mets le café, s'il te plaît. Alors, ça va la famille? Elle est brave, ta Leïla. Juliette l'aime beaucoup, tu sais. C'est une enfant difficile. Bah, c'est normal à cet âge-là. Tous les enfants sont comme ça. Elle travaille bien à l'école, non? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Dans le camp, il y a toujours du travail pour les femmes. Ah bon? Et toi, tu vas rester toute ta vie au camp? Pas du tout. Ici, c'est provisoire. Depuis 10 ans? Tu penses vraiment qu'un jour, tu vas rentrer en Algérie? Pourquoi pas? Saïd, la France est un grand pays. Il y a plein de choses à faire ici. Il y a de la terre, des fermes abandonnées, du travail. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter le camp? Parce que tu crois que pour moi, c'est facile. Et je t'ai jamais dit que c'était facile. C'est pas simple, Lucien. C'est compliqué. Bon, Étienne, ils viennent à pied les cafés? Comme il me parle. Tout ce que je te dis, c'est pour t'aider. Désolé, la machine vient de tomber en panne. On sert pas les bougnoules ici. C'est bon, Lucien. Lucien, j'y vais. Ça, adieu. T'as un problème, connard? Mais c'est toi, le connard. Qu'est-ce que t'as traîné avec ce bico? C'est pas que les bougnoules, c'est que des emmerdes? Moi, j'ai un truc à te dire, Étienne. Connard! Ah, c'est ça. Retourne à tes amis, hein. Celui-là, plus il devient vieux, plus il devient con, je te le dis. Ah, c'est sûr. Allez, c'est la mienne. Allez, les enfants, maintenant, vous allez chanter pour Monsieur Robert et Monsieur Dumas. Vous êtes prêts? Un, deux. Mon gros sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par hiver, mois et virées sont dépouillés de leurs attraits. Mon gros sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. C'est bien. Monsieur Robert, si vous voulez procéder à la distribution des cadeaux maintenant. Oui. Avec plaisir. Mohamed. Joyeux Noël, Mohamed. Ah, moi aussi, merci. Un vrai dôme en acier. Joyeux Noël. Fatima. Joyeux Noël, Fatima. Il paraît que tu travailles très bien. Oui. Alors tu la mérites encore plus. Michel. Voyons, Michel. Fais-en bon usage, Michel. Yacine. C'est toi qui veux devenir aviateur? Oui. Joyeux Noël. Kémélia. Joyeux Noël, Kémélia. Merci, vous aussi. Kader. Je suis sûre que je vais avoir le soldat avec la maîtresse. Tu demanderas un cadeau à ton père, puisqu'il se débrouille très bien sans nous. Je veux pas de sale caillou. Dis donc, toi. Viens ici. Quand on t'offre un cadeau, tu dis merci. Que ça vous serve de leçon, à tous. Amel. Sarah. Sarah.
Va chercher ta tante, ma chérie. Le bébé, il arrive. La Belgique, bah, la France, ça veut pas de nous. Et la Belgique, c'est un royaume. On sera traités comme des princes là-bas. T'es sûr? Bah attends, c'est Leïla qui l'a dit. Ah, si, c'est Leïla. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Là-bas, il y aura pas de chef de camp? Moi, j'en suis sûre qu'il y en a pas. Allez, viens vite. On commence par quoi? 0-0. Ça marche pas. Bon alors, 0-0. Ça marche pas. Ben, 0-0-2. 0-0-3. 4. 0-0-5. 6. 0-0-7. Ça va nous prendre 10 ans. Bah, tu viens pas avec moi en Belgique alors? Ça va, Emma, t'as besoin de rien? Alors? C'est la monitrice qui a rempli les papiers. Elle a mis un autre nom. Quel nom? Marianne, comme la République. Et pourquoi? Elle a dit que c'était mieux pour elle, pour son avenir, pour pas vivre le racisme. C'est pas eux de choisir, Baba. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça? Mais qu'est-ce que tu leur dois aux Français? Tu t'es battu pour eux, Baba, c'est eux qui te doivent quelque chose. Mais pourquoi t'as choisi la France, hein? Pourquoi? La France, elle nous protège du FLN. Non, c'est la France qui se protège de nous parce qu'on est des Arabes. Et même les Arabes, maintenant, ils nous détestent. Arrête, tais-toi! Famille El-Bouati. Ben Hammar. Merci. Chérifi. Germoun. Germoun. Il n'est pas là. Tiens, Safia, tu lui donneras. J'en suis sûr. Il y a la tête de la République sur le timbre. Arrête, c'est comme ça sur tous les timbres. C'est une lettre officielle de la France. Ça y est, ils nous expulsent en Algérie, c'est fini. Il n'y a pas de raison, on n'a rien fait de mal. C'est quoi? Lis. Parle. Et c'est le relevé des allocations familiales. Ils expliquent que le transfert a bien été fait au bureau du chef de camp directement. Ça veut dire quoi? C'est Monsieur Robert qui a distribué les allocations. Eh ben oui. Et combien tu touches, papa? Combien il te donne, Monsieur Robert? Comme les autres, 200 francs. Et pourquoi sur la lettre, c'est marqué 300? Pourquoi l'État te donne 300 et seulement 200 arrivent dans ta poche? Ah, ça doit être une erreur. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et qu'est-ce que tu cherches, toi, à la fin? Notre argent. Et la justice pour les Halki. Mais qu'est-ce que tu connais à tout ça, toi? Tu crois que je me planque sous mon oreiller, cet argent? Tu veux que je t'explique comment ça se passe? Les murs, les toits? Les douches? Tu crois que ça se répare tout seul? L'électricité, c'est gratuit? J'ai un camp à entretenir, moi. L'État me donne des clopinettes pour ça. À la préfecture ou à Paris, tout le monde s'en fout des harkis, ma pauvre fille. Sauf moi.
Que ça te plaise ou non. Peut-être, mais c'est notre argent. Mais je rends un service, moi, bordel de merde. Ton père et les autres, ils sont comme des gamins si on s'occupe pas d'eux. Ils sont très contents de rester en groupe et de faire ce qu'on leur dit. Tu sais ce qu'ils en feraient de leur argent. Ils le boiraient au bistrot. Bon, allez, dégage maintenant, ça suffit. Sors de là. Je veux notre argent. Eh ben vas-y, va le chercher, ton argent, s'il est vraiment à toi. Allez, personne ne te fera de problème. Sors! Ça, t'es bien. Et puisque je vous dis que le chef de camp est d'accord. Moi, j'ai pas confiance. C'est un faucheton, ce type. Mais bien sûr que c'est un faucheton, mais c'est notre argent et il le sait. Et tu proposes quoi? On va aux allocations familiales leur dire de nous verser directement l'argent sans passer par le chef de camp. Tu crois que les Français vont nous écouter, nous les femmes? Si on parle fort, oui. Allez, on y va. Vous pourrez acheter des habits neufs à vos enfants. Oui, elle a raison, Leïla. Ils ont le droit, mon capitaine ? Disons que c'est légal. Je peux rien faire contre ça. Officiellement, tu diras que j'ai autorisé la récupération directe des allocations. Bien, mon capitaine. Et officieusement ? On va faire un peu de ménage. Tu fais quoi, toi, quand il y a une pomme pourrie dans un panier ? Je jette aux ordures, mon capitaine. Moi aussi. Cherche quelque chose contre elle. Faut la briser. C'est une question de survie pour le camp, là. Bien, mon capitaine. Le baba, c'est notre argent, on en fait ce qu'on veut. Ils ont peur de nous quand on se rassemble. On leur doit rien aux Français, baba. L'argent que tu viens de gagner, on va le payer très cher. Travaille à l'école, c'est tout ce que je te demande. Mais si j'ai... Tais-toi! C'est toi ou c'est moi qui dirige cette famille? T'as pas le droit de faire ça, je vais en parler au chef de camp. Ah ouais? Le chef de camp, il fait ce qu'il veut de son charbon. Bouffe-le ton charbon et touffe-toi avec. Et c'est pas le charbon du chef de camp, c'est le charbon des Herki! Pourquoi vous me regardez comme ça, vous? Aïe, c'est que t'es chouette, t'es rien de tâche, mais fine, hein? Mais merde, je suis avec toi! Eh, et le vieux Pierrot, c'est un brave type. Lucien lui en a glissé un mot, il n'a pas eu le temps de l'annoncer à ton père. Elle est libre dans 3 semaines pour 250 francs par mois. C'est formidable! Mais il a rien contre les Arabes? Il est espagnol. C'est Pedro, son vrai prénom. Mais il comprend votre situation, crois-moi. Merci, Juliette. Merci. Attends, tu pars. Et là?
J'ai Pierre au téléphone, il voudrait savoir si tu peux venir à son anniversaire samedi. Bah ouais, je vais essayer. Ouais, ouais, elle peut venir, hein, y a pas de problème. Ouais. D'accord. Ouais, 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 à demain. Ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses venir. Moi aussi. Bon, allez, à demain. Attends. Allez, faut que j'y aille. La maison est tout près de chez Juliette, puis il y a un petit bout de terrain pour le jardin. Et qui va nous protéger? C'est toi, peut-être? Ne fais pas comme ça, Leïla. À Lille, il y a des harkis qui ont été égorgés par les immigrés. Yemma, la guerre, elle est finie depuis 10 ans. Ah oui? Et les gendarmes qui ramènent les harkis qui s'échappent des camps? Avec des menottes, même leurs femmes. Et nous, on fera tout dans les règles, Yemma. Puis si papa trouve un travail et une maison, on a le droit de partir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dehors, tout seul? On connaît rien à la France, on sera perdus. Ici, c'est la misère, mais au moins on s'aide. Il y a toujours les voisins. Mais on va pas tout le temps... Relâche, Leïla, arrête. Tu trouves pas qu'on a assez de problèmes pour que t'en rajoutes, toi? ?783. Tire plus fort, là. 784. 784. 5. 786. Bon, c'est bon, j'en ai marre. Tiens, prends ma place. T'as même pas fait beaucoup de chiffres, toi. Ta fille, t'as toujours réussi à la tenir. Tu vas pas flancher maintenant, quoi. Ouais, c'est vraiment un phénomène, hein. Faut vite que tu la maries avec un costaud. Ah, vous serez pas assez de deux pour l'empêcher de crier dans tous les sens et de faire des cabrioles. Attends. Tu dis que ma fille, c'est une chèvre? Oh non, qu'est-ce que tu vas imaginer, ça? Pas que c'est toi, la chèvre, hein. Leïla, elle vaut 1000 hommes comme toi, 1000 hommes comme moi, hein. Ce que je veux dire, Saïd, c'est que ce genre de fille qui crie fort et qui parle tout le temps, hein, bah, voilà, c'est un danger pour nous tous, Rouya. C'est pas une fille honnête, c'est tout. Ah oui, le câble me traque, le câble me traque. Mais qu'est-ce qui te prend? Tes gosses foutent la merde, et toi tu te bats, je devrais t'exclure du camp. Pardon, capitaine, je sais pas ce qui m'a pris. Mais y a pas de pardon. Je te croyais civilisé. Le mois prochain, je veux pas te voir sur le chantier. Un mois sans travail? Ben, mon capitaine, je dois faire vivre ma famille. Fallait y penser avant. Allez, Kader, j'éteins. Non, s'il te plaît, une page. J'éteins, Kader, ça suffit. Je ferme pas complètement la porte. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Tu veux que je t'aide, Yemma? Non, ça va. Bon, faut pas se laisser faire, il a pas le droit. Qu'est-ce que tu racontes? Il a tous les droits. Regarde ce qu'il a fait au Ben Issa. Ils sont devenus comme des clochards. Tout ce qui nous arrive, c'est de ta faute, Leïla. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Eh ben, il y a qu'une solution. Il veut nous tuer, il faut partir. C'est pas vrai, papa? Un paquet de farine et un savon.
Non, pas celui-là, le gros. Leïla ? Papa, mais c'est pas possible, ça peut plus continuer. On nous tue, on fait rien. On s'avance comme des moutons, voilà ce qu'on fait. T'as compris la leçon maintenant? Il faut pas humilier le chef de camp. Je cherchais pas à l'humilier, il cherchait... C'est trop dangereux. Tu veux qu'on finisse tous comme l'oncle Ahmed? Fais attention, Leïla. À cause de toi, on est mal bu. Même la voisine Férouz, là, cette agouna sans cervelle, elle me tourne le dos. On part plus d'ici. Mais papa était d'accord pour la maison. On peut pas laisser l'oncle Ahmed. Il a besoin de Saïd. Je connais là. JB, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est ça. Où tu vas? Mais arrête, Mokhtar! Mais arrête! Toi, je vais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là, je te dis. Qu'est-ce que tu veux? Toi, t'arrêtes. J'arrête quoi? C'est ça. Prends-moi pour un con. Tu t'approches pas de Leïla. T'as pas le droit de lui parler. Je peux savoir pourquoi? Parce que je te le dis, Rubok. C'est bon, calme-toi. Toi, tu fermes ta gueule, assieds-toi. Leïla, c'est comme ma sœur. Alors tu t'approches pas d'elle. Je veux pas te voir autour. Pour toi, elle existe pas. Eh, si je te vois encore une fois t'approcher d'elle, je te tue. Tu comprends ça dans ta petite tête? Touche pas sa bico. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il fout ici, ce bouboule là? Vas-y, ça suffit! Stop! Ça suffit! Qu'est-ce qui se passe, Kader? C'est un secret! Tiens, c'est quoi? C'est une lettre. Qui te l'a donnée? C'est un garçon qui s'appelle Jérôme. Il est où? Il est là-haut. Vous attendez quoi, là? Je m'en fous, de toute façon, je l'ai déjà lu. Non, c'est moi, c'est derrière. Non, derrière. Yuma, je vais chez Fatima, il y a un truc que je comprends pas. D'accord. Pas trop longtemps, hein. Oh. Kader, je m'en fous de tes histoires. Une minute, pas plus. Écoute, Leïla, je voulais juste te dire... 55 secondes. Je te demande pardon. Je suis désolé, j'ai vraiment réagi comme un con. Je voulais pas te blesser. J'ai honte. J'ai besoin de te voir, comme avant. T'aimes bien les bicots, toi, maintenant? C'est pas ça que je voulais dire. Attends. Lâche-moi! Je te déteste, t'es comme les autres. Je te crois pas. Mais tu te prends pour qui? De toute façon, je dois travailler. J'ai des examens à passer.
Je dois aider ma famille, je veux plus leur faire de mal. J'en ai déjà assez fait comme ça. Et on est différents, tu le sais. T'es français, je suis arabe, ça marchera pas. Mais c'est quoi ces conneries? Ton père, il s'est battu pour la France, il peut pas refuser que sa fille, elle sorte avec un français. Me touche pas, je te dis! C'est pas mon père qui veut pas, c'est moi. Alors, tu me détestes vraiment? Les miens. Faut plus qu'on se voit, Jérôme. Plus jamais. Toi, les invités vont arriver. Toi, pourquoi t'as pas mis ça? Maman, c'est qui les invités? Donc là, mets avec la famille. Allez, mets ça. Bon, allez, dépêche. Laisse-moi tranquille. Chut. Maman, elle m'embête. Dans un mois, c'est bien. Tant pis pour les examens, c'est mieux comme ça. Alhamdoulilah. Amen. Amen. Chercher. Je vous quitterai jamais. Allez, va te recoucher. Leïla, viens voir. J'ai un sucre à te donner.
2.60, 45, 548, 02. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Reste pas là, rentre. Je m'en occupe. Assieds-toi là. Ça va te faire du bien. Tu l'aimes pas un petit peu, ce Mokhtar? C'est pas Mokhtar. Je m'en fiche de lui. C'est le camp, le mariage, tout. J'en peux plus. Dis pas ça. Tu es forte, tu vas te battre. Et ton père va finir par comprendre. Mon père, il a peur de tout. Du postier, des gendarmes, même des Français qui croisent dans la rue. Ta fugue va peut-être l'ouvrir les yeux. Ça, non. Je suis sûre que non. Il n'y a rien qui changera. Qu'est-ce qui nous empêche de partir? On peut aller à Paris chez mon frère, il a un grand papa. Arrête, c'est très bien que je peux pas. Pourquoi tu voulais me voir, alors? Mais je voulais juste te dire que c'était agréable de te connaître. De me connaître? Bah oui. Puis je voulais aussi te dire que... Mais les Rolling Stones, c'est nul. Et que Mike Brandt, il sait beaucoup mieux parler des sentiments. Peut-être. Juste qu'on reste amis. Quoi ?
Mais attends, qu'est-ce que tu me fais, là? Un coup tu veux, un coup tu veux plus? Tu sais ce que t'es? T'es qu'une allumeuse. Pardon? Et toi, tu sais ce que t'es? T'es qu'un pauvre con qui comprend rien. Mais rien de rien! Léla! Pardon. C'est à moi de m'excuser. Léla. T'es une fille formidable. T'es sûre que tu veux pas aller à Paris? Je suis sûre. Tu veux que je t'emmène au bahut? Non, je vais pas aujourd'hui. Si t'as besoin d'un truc, c'est me trouver. Ton père est là. Dépêche-toi. Mais dépêche-toi, je te dis, il est furieux. Je rentre à la maison, tout de suite. Merci, Lucien. Je vais plus retourner au camp, là-bas. Mais tu vas obéir. Tu vas obéir. Chahid, arrête. Te mêle pas de ça, Lucien. T'es fier de toi, Léla? Ton père n'a plus le droit d'élever ses propres enfants. Les grands. T'as entendu ce que je te dis? Oui, j'ai entendu. J'ai compris, monsieur le français, qu'ici j'étais pas chez moi. Et que je dois me battre pour récupérer ce qui m'appartient. Mais c'est quand tu veux. Arrêtez! Mais arrêtez, papa! On rentre! On rentre, baba! On rentre! Allez, dépêche-toi. Allez! J'ai oublié ma valise. Dépêche-toi! Une voiture viendra demain à 8h. Au centre de redressement, ils sauront l'éduquer, ta fille, puisque t'en es pas capable. Ma fille n'ira nulle part. Pardon? Tu sais que c'est facile pour moi. Un coup de fil et je te renvoie Fissa au bled. Allez-y, qu'est-ce que ça changera? Ici, on sera jamais traité comme de vrais Français. Non, mais je rêve! La France, elle t'a sauvé, toi et ta famille. C'est comme ça que tu nous remercies. Et pourquoi je vous dis merci? Pour tous les harkis que vous avez laissés mourir en Algérie? Moi, je me souviens. Pour qu'on s'engage, les officiers français nous faisaient de belles promesses. Ils nous disaient que jamais la France ne nous abandonnerait. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la guerre, mon propre capitaine nous a désarmés la nuit pendant qu'on dormait. Le lendemain matin, à 7h, quand on s'est levé, il foutait le camp avec ses hommes. Nous, les harkis, on pleurait. Et les Fennel, lui, riaient. Et vous, les soldats français, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on s'accroche à vos camions, vous nous donniez des coups de crosse sur les doigts. Comment oses-tu? Le FLN nous a massacrés, égorgés, arrachés la peau, enterrés vivants. Même nos bébés, ils les ont tués devant vos yeux. Et vous, les soldats français, vous n'avez rien dit. Vous avez trahi les harkis. Ta gueule. Ta gueule, Benhamer! Fous le camp, maintenant! Non! Maintenant, je parle! Ton armée française, elle a perdu son honneur en Algérie. Ça te va bien de parler d'honneur, toi qui as trahi tes frères. Mais le FLN, c'est pas mes frères. Tu sais pourquoi moi je suis devenu harki? Toute notre vie, les colons nous ont exploités. Moi, j'étais pas pour l'Algérie française. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, si t'aimes pas la France? Vas-y, retourne-y dans ton pays, l'arabe. Écoute-moi bien, toi. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai combattu en Algérie.
Je suis plus français que toi, mon capitaine. J'ai tout perdu en Algérie, tout. Ma terre, ma famille, mon honneur. Moi, je suis mort. Mais pas mes enfants. Eux, ils sont vivants. Ils méritent autre chose que ce camp. Ils méritent de vivre comme tous les autres enfants de France. Dans un fossé. Saïd, tu as fait le bon choix. Oui. Et Leïla va nous aider. Elle connaît la France mieux que nous. Tu sais, elle est grande maintenant. Elle va se marier, c'est mieux pour elle. Tu peux pas l'obliger, Saïd. On est en France maintenant. Le bled, c'est fini. On peut pas l'élever comme là-bas. On a besoin d'elle. Il faut qu'elle reste avec nous. C'est quoi cette histoire d'infirmière? Tu te rends compte? C'est formidable. Elle va soigner les gens. Tout le monde va la respecter. Elle aura un bon salaire. Tu fais comme tu veux. Bon, écoutez-moi! J'ai quelque chose à vous dire pour éviter les bruits de chiottes. Le chef a décidé de virer du camp la famille Benamar. Pourquoi? Si tu veux des réponses, tu les demandes à M. Robert. Bon, allez au boulot. Je dis au revoir à mon cousin. Fais attention, toi, je t'ai à l'œil. Dis à ta femme de monter le vent avec le bébé. Vas-y, tu... Elle est où, Leïla? Elle est encore là-haut. Leïla! Leïla! Dépêche-toi, tu vas être en retard pour ton premier jour. Ça se fait pas! J'arrive. Pourquoi t'as mis ton costume? C'était pas la peine. Tous les jours, je mettrai un costume comme ça. Maintenant que tu vas à l'école des infirmières, allez, dépêche-toi! Sarah, arrête de parler et mange. Sarah. Oh. Et c'est pas infirmière, c'est aide-soignante. Oh, ça va. Oui, bah c'est pas pareil. Tu regardes pas les garçons. Il hein. Y a que des filles dans ma classe. Ah, c'est sûrement princesse. Et toi, tu travailles bien à l'école. Ensuite. Sarah, arrête de parler. Attends, Leïla, je veux dire un secret. S'asseoir, ma chérie. C'est quoi le secret? Maintenant, je te le dis pas parce que toi, tu m'as pas dit l'histoire de Gérard. Bah alors, je te dis l'histoire de Gérard. Non, c'est trop tard. S'il te plaît. Non.